voyez, je suis devant un bunker du Vallo Alpino en Italie, dans les Dolomites. Un bunker vraiment intéressant, juste à côté d'un lac d'ailleurs, très touristique. Mais il n'empêche que ce bunker est immense et il est très intéressant. On va commencer par faire le tour du propriétaire. Et voyez ces immenses volets là, ces volets camouflés. Alors c'est des constructions pour la plupart. Alors ici il y a beaucoup de constructions qui datent de la première guerre, mais aussi de la deuxième. Vous voyez là ces créneaux de tir pour mitrailleuses. Donc Mussolini qui a fait construire cette partie du Vallo Alpino, ici tout près de la frontière autrichienne. Alors il n'était pas tranquille puisqu'il pensait que les Allemands pouvaient envahir ce secteur, puisque certains nationalistes allemands qui soutenaient Hitler d'ailleurs revendiquaient ces terres, ce secteur, puisqu'il y avait une grosse partie de la population qui parlait allemand. Donc Mussolini, même si on pensait que évidemment il était allié avec le régime hitlérien, il a quand même fait construire énormément de bunkers dans le secteur. Là on voit les panneaux. Alors là ils sont fermés et d'ailleurs c'est un peu compliqué même de les ouvrir parce qu'ils sont tirés de l'intérieur par un câble en acier. Donc depuis le poste de tir, on peut ouvrir ces volets. Alors ces volets, ils sont faits même en fibre de verre. Alors pas sûr que cela date des années 40 et de la construction de Mussolini, puisque ici, beaucoup d'ouvrages ont été récupérés après la Deuxième Guerre mondiale et par l'OTAN. Donc jusque dans les années 90, beaucoup de ces ouvrages ont été occupés. Vous voyez là, ici, je suis sur le dessus. Et on a des cloches d'observation qui sont ensevelies là. Mais il y a des cloches d'observation. Il y en a une là, encore. Peut-être une cachée là, sous la mousse et sous la végétation. Alors dedans, eh ben, ils ont adapté l'équipement pour moderniser ces ouvrages de la Deuxième Guerre. Et ici, c'est marrant parce qu'il y a des fortifications mélangées avec la Première Guerre. Alors, il n'est pas rare de voir certains sites qui ont été récupérés, puis modernisés, agrandis, comme ici, pour en faire un véritable bunker de la guerre froide, en fait. Je vais juste vous montrer de plus près un volet camouflage. Alors les Italiens pour ça ils étaient bons, un peu comme les Allemands d'ailleurs, pour camoufler leurs ouvrages. Vous allez voir qu'ils utilisaient là de la fibre de verre. Allez là, on voit bien la fibre de verre, le panneau, enfin l'armature. Ici, une petite poulie, eh ben, il reste le câble d'ailleurs. Bien, vous voyez. Il reste le câble là. L'autre est encore tendu. Et donc, de l'intérieur, il pouvait lâcher du lest. Hein. Et puis, ça devait être sur ressort. Là, c'est plus trop tendu, mais ça pouvait s'ouvrir de cette façon. Et là, le créneau est immense. Hein. Il fait. La base doit faire 3 mètres de large. Et on voit encore les poulies là. Parce que celle-là est mal placée. Hein. Mais normalement, ça passait dans les poulies là, et puis là. Voilà, et puis là, on voit tout ce travail de camouflage encore, avec du béton mis sur des feuilles d'acier là. La ferraille, on voit que c'est creux en fait. Hein. Et donc, ça permet à la végétation aussi de pousser, si les soldats du génie placer des plantes là, bah ça pouvait faire un beau camouflage naturel. Voilà, on va essayer d'aller à l'intérieur et puis voir s'il reste
quelques équipements de la guerre froide. Allez, on entre. On voit les installations beaucoup plus modernes, avec les portes fusibles, l'interrupteur qui allumait la lumière. Donc ça, c'est bien un signe que ça a été occupé récemment, jusque dans les années 90. Occupé par l'OTAN. On avait aussi une porte fusible sûrement. Peut-être l'arrivée principale d'ailleurs, vu la section de câble. On voit ce fil de terre partout. Le premier créneau de tir pour protéger l'entrée, là, on voit. Vous pouvez passer un fusil ou une mitrailleuse pour protéger l'entrée du bunker. Les toilettes. Là, une grande pièce, et encore un reste du système de ventilation. Là, on a sûrement la réserve d'eau. Avec des bacs, on dirait de l'éternite, c'est 500 litres chacun là. On a 2 mètres cubes. Et là, on arrive sûrement au poste de tir numéro 1 et 2. Alors, on a un système de ventilation. Ça pousse, ça fonctionne encore. Et là, c'est condamné, mais on avait une mitrailleuse ici, c'est un des créneaux là. Et là, le câble, c'est ce qu'on a vu de l'extérieur pour ouvrir ou refermer le camouflage, le panneau. La poignée là, pour pas que ça gêne dans le passage. Puis ici un autre créneau de tir. C'est exactement le même. Alors je vais vers le 3 et le 4 maintenant. Toujours cette ventilation pour chaque poste de tir. Et même on a du tout vérifié, si jamais le bunker était envahi, on pouvait quand même s'enfermer là-dedans et se protéger. Non, pas de lumière. Là on a un petit escalier. Qui mène à cette chambre de tir, ah ouais.
ici au sol. Ici aussi. Là, il y a un escalier. Chambre pour les hommes, un système de ventilation, on voit que c'est électrique là. Ouais, la centrale téléphonique. Poste de commandement, visiblement. Je vais essayer de pas me paumer là-dedans. C'est bien conservé, c'est pas tagué, c'est propre. Ah, c'est juste la dégradée, sûrement du cuivre a été récupéré. Ça doit être le tableau général basse tension aussi. Thank you.
Et deuxième entrée là. Qui est condamnée celle-là. Bon. Moi je vais essayer de retrouver mon chemin. Et puis redescendre, essayer de sortir de là. Allez, à tout de suite.